أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Quand Iblis enfin il finit de discuter à l'un de nos délais, alors Allah subhanahu wa ta'ala il met Adam alayhi salam dans Jannet et il prévient lui contre Shaitan. Il prévient lui, innahu lakuma adou mubin. Shaitan est l'ennemi déclaré. Frère Munawar, il pose une question, il dit, question en coutier. Right. Nous avons des créatures qui appellent djinn avec insan. D'accord? Nous peinons une créature qui appelle shaitan. Écoute ça là. Sa question est intéressante et écoute bien. Right? Nous peinons une créature qui appelle shaitan. Nous avons une state qui appelle shaitan, un l'état. Ça veut dire quand un djinn est révolté, est transgressé contre limite Allah. Les trans, les sorties, nous ne nous pas appelés Iblis, là, nous appelons qui était Shaitan. Et parmi insan aussi, il y a des insan qui ont transgressé. Ils ont sorti dans la nature de l'insan, ils viennent Shaitan. C'est bref, dans Surah An'am, dans le 8e Sipara, dans le 10e ayat, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِ. Shaitan parmi insan, et parmi Jimoun, ça veut dire un Jimoun, il y a un insan, il n'est pas un kafir, mais il y a encore un insan, et il n'est pas un musulman, il n'est plus un insan. Il transgressait ce natif sans dire, qu'on va dire chemical reaction, il sortit de l'insan, insan assez appelé shaitan, qu'on va dire un magicien, un jadougar. Pareil comme ça même, un iblis, il est un djinn. Quand il appelle shaitan, quand il désobéit, il trans... pas si il désobéit, nous tous désobéissons à Allah. Je veux dire, comprends que tout insan est une désobéissance à Allah dans différents niveaux. Moi, mon peu cause aux autres, désobéissance à Allah. Je veux dire, comprends ça que nous professeurs, nous alim, ce n'est pas un djimoun qui m'assomme, il n'est pas m'assomme. Bon, il y a différents qui ont été péchés, ça ne le dit pas faire. Il y a grand péché, petit péché, péché important, petit péché, péché personnel, péché, quand il y a une seconde partie. Je ne peux pas qu'un djimoun, je ne peux prendre droit à un djimoun, je fais zulm le moment, je fais zulm le mon enfant. Là, mon madame content étant ça vous dit. Non, il dit, maman, on a tout coupé de cause, là, tu piques moi même temps. Bon. Alors, un insan, un djinnat, quand je transgresse et je dépasse les limites de transgresser, l'essence se natire sans être sorti insan, il Shaitan et djinnat sorti djinnat livin Shaitan. Clair? Alors, Shaitan c'est un state. Il y a un état ça. Un djinn, il paraît moi, il y a un chemical state. Ça veut dire de l'eau, livin gaz, il s'en est. Pareil comme ça même, un insan. C'est pour ça qu'il y a l'indien dans Surah Anfal. Et c'est pour ça qu'il y a l'indien dans Falak aussi. Minel djinnati wan nas. Tu vois ce qui souffle sur l'eau, les nas. Minel djinnati wan nas. Pour m'indien et djinn, fait sa travail de. Tu vois ce qui souffle là, fait ou soit ça. Right? Écoute, c'est un peu vite, vite à se dire. Dans Jannat, ça veut dire à l'infini prévenir Shaitan, il y a un courant d'âge pour lui. Et vous connaissez, il y a comme un conseiller. Shaitan, il présente lui comme quoi? Comme un conseiller. Wa qasamahuma. Il fait qasam d'où? Il dit maintenant, mon petit Shaitan, mon petit Shaitan, mon conseil. Ça dit, mon qui dit pour gâter aux enfants là, il vient comme conseiller. Ça dit, ça qui vous gâte ou tifi là, il vous vient comme un conseiller. Le Coran dit, wa qasamahuma inni lakuma la min an-nasihin. Mon frère Kassam, wallahi, mon vin pour Edzot. Il dit, est-ce qu'il m'a dit Edzot qui fait Allah Edzot par côté que sa pied là? Vous avez dit, comment il présente ça là? Est-ce qu'il m'a dit Edzot que. Combien de gens font un travail là? Et il dit, ça m'a dit, je n'ai pas besoin de Edzot. Il dit, je n'ai pas besoin de Edzot, c'est mon vin de Edzot. Tu ne connais pas de personne, mon vin de Edzot. Il y a un secret là, tu dis, je n'ai pas besoin de Edzot. Et on ne dit pas de personne, pas de Edzot. Il dit, troisième, il dit, tu connais, mon vin de Edzot, pas de personne. Et troisième, il dit, quatrième, tu connais, mon vin de Edzot, pas de personne. Finalement, on dit, mais, ou dans ça de bazar. Il dit, waqasamahuma, il fait qasam. Faire qasam veut dire, il prend seulement le nom Allah. Wallahi. Moi, je vais te conseiller pour toi. Allez, qui conseille pour toi? Qui te dit, est-ce qu'il me dit, qui fait Allah, il n'a pas besoin de sa pied là? Parce que sa pied là, si tu manges là-dedans, tu peux gagner la vie éternelle. Et tu peux gagner une royauté qui n'est pas pour finir, amis. Il y a sa façon qu'il présente sa question. Il y a sa façon qu'il est venu pour conseiller. Et ce conseil-là, pour dire du monde dans la nature.
Ça conseille qui Iblis il vient donner Adam là qui pour faire lui. Qui fait dire lui faire ça, qui pour faire avec lui. Pour tirer des bidons de jannat. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dans sura A'raf, dans la troisième page, il dit: Ya bani Adam, la yaftinannakum ash-shaytanu kama akhraja abawaykum min al-jannah. Qu'est-ce qu'il a dit? Ya bani Adam, aux enfants Adam. La yaftinannakum ash-shaytan, pas le shaytan, testez eux. Et les mettez eux dans un trial, pareil comme à l'intier de papa de bidon de jannat. Le Coran dit ça comme ça, mon petit Dieu. Qu'est-ce que c'est le Coran qui Allah dit: La yaftinannakum ash-shaytan kama akhraja abawaykum min al-jannah. Yanzi'u anhuma libasahuma. Allah dit avec les enfants Adam, avec nous, aux enfants Adam, n'a pas les shaitans tiers eux de bidon de jannat, pareil comme à l'intier de papa, et les mettent à nu. Yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima. إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونه. On fait ayat qu'on a raconté. Alors, Shaitan, c'est ça qu'il est proposé comme conseil. Est-ce qu'il me montre, tu connais qui fait sa pied là, Allah pas n'est-ce pas? Parce qu'il a sa pied là, il a la vie éternelle et il a une royauté qui n'est pas pour finir, amis. Et ça challenge qui Shaitan, ça, écoute bien que je vais dire là. Ça l'attaque qui Shaitan, il a fait le insan là. Rasoul Allah subhanahu wa ta'ala zis pour lui casse le néné shaitan l'in donne sa cadeau là à nous Rasoul sallallahu alayhi wa sallam avant l'équipe du nia y aller. Est-ce qu'il te donne, moi donne toi tout trésor qui est dans la terre et moi donne toi la vie éternelle. Nous Rasoul sallallahu alayhi wa sallam il choisir l'iqa à Rabbi, il choisir pour jeune sur Rabbi. Écoute ça bien qui m'a dit Jésus. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dans ce malade qui n'est pour quitter dunya ni pour aller, Allah subhanahu wa ta'ala il envoie un malaïka pour proposer sa proposition qui là-bas shaitan il servit pour dévier insan là. Allah il donne sa cadeau là nous Rasul sallallahu alayhi wa sallam azodi là nous Rasul tu peux pas parmi nous. Je veux qu'on voit qui était ça là. Allah subhanahu wa ta'ala peut montrer insan tu peux désobéir à cause Iblis. Un pied, mon Dieu, t'as pas mangé. Mon Dieu, t'as mangé 500 000 pieds. Ton désobéissement à cause ça, sa raison qui Iblis, il embête toi là. Moi, donne ça à Rasoul Allah sallallahu alayhi wa sallam. Avant qu'il dunya y aller, Allah subhanahu wa ta'ala dit à Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, moi, donne toi al-khuld. Et moi, donne toi khazainus samawati wal-ard. Tout man la clé de tout man trésor qui est dans la terre. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit non, moi, mon poison mourab. Khayir du liqa à Rabbi, moi, ne choisir poison mourab. Ça, c'est nous, Habib sallallahu alayhi wa sallam. Dans l'autre cas, je vous explique ça. Alors, finalement, correct? Shaitan, il pour victoire, le Adam alayhi salam. Adam alayhi salam, il fait tauba, allez à vos yeux de la terre. Clair? Ça veut dire désobéissance à Allah quand il commence. Écoutez. Puis de Jannat. Ça donne côté Allah. Ensuite, Allah dit qu'on habite tous بعضكم لبعض عدو. Ensuite, Allah descend Adam avec Hawa et il descend Iblis sur terre. La guerre continuelle, perpétuelle entre insan avec Shaitan. Arrête là. Shaitan qui fait un demande délai avec Allah, tu t'en rappelles? Pour lui faire insan, désobéir à Allah et lui montrer à Allah, il n'a pas choukar gouzar. Je peux désobéir à toi, même ton fait, je te fais Allah stoubi rabbikoum, tu lui désobéis à même. L'état Adam alayhi salam vient de la terre. Arrête là. Ça veut dire Adam et son madame vient de la terre. Il commence une affaire qui s'appelle progénération. Qui veut dire il commence à avoir des enfants. En fait, il y a la loi qui existait, mais les enfants, tu peux nier, là, là. Un garçon et un petit fils qui peignent en même temps. Ça s'appelle les jumeaux jumelles. Jumeaux jumelles par un droit marié. Dans l'époque là, la loi qui était jumeaux avec jumelles par un droit marié, man qui naît en même temps par un droit marié. Mais un frère qui naît avant, il y a un droit marié qu'un sœur qui naît après. Ça c'était la loi. Il commençait là, pro-génération. Right? Qui dit ça va dans la société là? Hein? Man, si elle peut écouter des apparts de là, ça je vais faire une autre cause là-bas. Et parfois, on peut être en train de voir une petite mousseuse. Hein? Mousseuse. Qui dit? Adam, il vient de la terre, il commence à gagner des enfants. Qui dit?
l'islam. Ce bref, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit Al-Anbiya ou Ikhwa wa dinuhum wahid. Tout man Anbiya frère, qui fait ce frère? Parce que vous êtes enfants d'eux. Alayhi wa sallam. Et ce din, un seul. Clair. Numéro 2, est-ce qu'il tient à la législation de l'époque Adam alayhi wa sallam? Tient à la législation, tient à l'ordre d'Allah, tient à l'ordre gain droit par gain droit frère? Qu'est-ce que vous pensez? Ou ça pas tient encore, il n'y a pas tient à la loi. Qu'est-ce que vous pensez? Tiena ou pas Tiena? Réponse Tiena. Sur bref? Non, là nous pouvons dire Adam alayhi salam sur l'époque là. Est-ce qu'il tient à la législation? Nous disons oui. Qui sur bref tient à la législation? Non. Sur bref, c'est Ayat Coran que des frères font courbani. C'est là. Elle a accepté pour elle. Il ne résiste pour elle. La surah Maïda. Allah dit Watlu alayhim naba abnei Adam bil haqqi idqarraba qurbanan fatuqubbila min ahadihima walam yutaqabbal min al-akhar. Qala la aqtulanna qala innama yataqabbalu min al-muttaqin. La surah Maïda. Allah dit Watlu alayhim liya l'ose l'histoire de Adam alayhi salam. Il qarraba qurbanan quand je fais présente, ça veut dire watlu alayhim naba abnei ibnei Adam veut dire lié à l'histoire de deux garçons de Adam alayhi salam. Quand je présente cette qurbani à Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce que je présente? C'est une ibadat. Qui ibadat? Ibadat présente qurbani à Allah. Fatuqubbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Allah est accepté pour un, pas accepté pour l'autre. Qui est arrivé? Mais qui fait pas accepter pour l'autre là? Il n'a pas de manquement. Pas de mentionner le Coran. Il n'a pas de manquement. Qu'est-ce qu'il fait? Il y a un manquement là-dedans. Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Shaitan commence ce travail. Shaitan commence à faire ce travail parce qu'il y a des qualités courbani. Un courbani qui n'a accepté, un courbani qui n'a pas accepté. Mais sa courbani qui n'a accepté là, les sous-guidances Allah, sa courbani qui n'a pas accepté là, c'est-à-dire les automatiques qui Shaitan commence à faire ce travail là. Le talent, c'est un coup là qu'il dit à lui. Les temps, ils trouvent qu'ils courbani son frère et n'accepté. Il ne dit pas dire, mais ça veut dire, moi, erreur, moi, le fait, on va qu'il dit, la actulanak, bon, vous tuez toi. Jalousie. Jalousie, là, quand tu sortis ça. L'origine qui était. Shaitan. Ça n'est là qu'il répondit, le frère là. Il ne pas dire, non, mais moi, vous tuez toi, vous tuez moi, vous la guerre. Par contre, à la guerre là, il répond, lui, réponse, Rabbani, célestiel. قال انما يتقبل الله من المتقين الا accepte seulement action de man muttaqi. Ça veut dire quand il y a un muttaqi, le tala pas muttaqi. Et qui veut dire muttaqi? C'est je décris sa question et je décris sa réponse. Qui veut dire muttaqi? Un djimoun y a un muttaqi, maintenant il y a un muttaqi ça. Qui veut dire hein? Qui veut dire? Il y a un taqwa, bien bon. Taqwa qui était? Hein? Non. Taqwa veut dire qu'il implémente ben, l'autre Allah et l'autre Rasulullah. Et il restreint avec une prohibition, une interdiction, il restreint, ça s'appelle ça taqwa. Un djimoun a envie d'évaluer son iman, il évalue par quantité l'autre Allah qui les met en pratique avec l'autre Rasulullah et quantité haram qui les restreint, c'est qu'il y a l'ex Rasul qui fait haram. Ça, c'est une évaluation de nos iman. Clair là? Alors, quand on peut dire, innama taqabbalullah min al-muttaqin, Allah accepte seulement de ceux qui sont des muttaqi, man qui n'a taqwa, ça veut dire, il y a un peu de taqwa. Ça veut dire, quand il y a un taqwa, ça veut dire, il peut implémenter, ban, implémentation, ban, rules qui a l'un donné, et que ce qui peut être taqwa, il peut pas implémenter. Ça dit, d'accord, Lola? Est-ce qu'il est clair? Right là? Est-ce qu'il est clair? Clair, Salman? Hein? Je me pose une question là. Right. Innama yataqabbalullah min al-muttaqin. Allah accepte l'action de man muttaqi. Et pour les vins al-muttaqi, ça veut dire qu'il peut mettre en pratique l'autre Allah et ce qurbani accepté. Et pour l'autre Allah, ce qurbani pas accepté, ça veut dire que Shaitan peut commencer pour le victoire au lit. D'accord? Finalement, il tue frère là. Ça veut dire que Shaitan il porte l'autre victoire. Ça veut dire que désobéissance il commence. Que côté 5 ou là? Le la terre. Ensuite, la vie continue. Ensuite, ma génération,
de génération invini. Écoute ça bien, hein? Génération de génération invini. Ensuite, Bandimoun, il commence. C'est un peu qu'on y travaille, hein? Bandimoun, ça veut dire, parmi les enfants Adam, qui dîne ce tété, là? Les dîne tous son frère, là. Son frère, même ça. Mais qui dîne tous les tété? Encore l'islam, même là. Pourquoi il y a des gens dîne, dit tout, là? C'est ma désobéissance qui peut commencer. Les désobéissances, ils commencent, qu'ils commencent à arriver. Ils commencent à arriver dans un pieu. Man pieu, man bon du monde, qui tu peux faire d'awa? Qu'est-ce que tu peux faire? Je peux dire, man a fait namaz, obéir à Allah, vin muttaqi. Right là? Ça continue, 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 continue. Man la mot. 5-10 moun parmi les autres mots. 5-10 moun qui tu peux faire d'awa mot. Quand les autres mots, Shaitan vient en personne, dit man la comme ça, mais c'est moi qui est arrivé là, iman qui peut arriver là. Décadence. Décadence, il faudrait une décadence qui besoin d'un du monde pour rappeler les autres à l'autre. Par exemple, aujourd'hui, une décadence, si tout le monde peut vivre dans l'obéissance à Allah, qu'est-ce que tu veux faire? Ouais, mais le travail, mais tu as sommeil. Hein? Est-ce que vous sommeil? Oui, non. Aïe. Ça veut dire qu'il y a une désobéissance à Allah. Il y a une gamme du monde qui, si tu peux t'inifier, comme l'audine de Adam, tu peux faire dawa. Quand ça s'est dit, vous n'êtes qu'une dunya, c'est ce que je vais expliquer dans le Sahih Bukhari. Dans le Sahih Bukhari, Abdul Ibn Abbas va expliquer. C'est ce que je vais donner une là. Les temps, ça s'est dit, vous n'êtes pas, Shaitan vient. Et Shaitan, quand il vient à se dire, il peut venir dans la forme avec son vilain figure et tout ça là, non, ça il peut venir dire pareil comme les autres. Je connais quand Rasoul Sassam, tu peux faire Hijra dans Makkah, Shaitan tu viens en personne, Iblis, Papa l'aime, tu viens. Entendez, hein? Il a dit, Papa Iblis, c'est que tu refuses de faire Sijda pour Adam et Salam, lui-même tu viens en personne parce qu'il y a un grand travail ça. C'est-à-dire, pas pour qu'il délégué de responsabilité, il vient faire lui-même. Il prend forme de Ndjimoun dans Najd. Les vins assis pour mi Quraish Makkah pour lui donner l'idée qui vise à faire. Les lames lui donnent ça l'idée qui touille Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais Iblis, il vient parmi sa man enfants Adam, sa man petits enfants, comme Adam et Samin qui dunia en allé. Et ben là, ils aussi sont éloignés avec Iman, éloignés. Parce que Shaitan, il n'est pas grave dans une société qui dit qu'on peut faire 5 fois salat, dit qu'on peut obéir à Allah, dit qu'on peut obéir à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Shaitan vient et dit maintenant, elle fait shirk. Ben là, pas accepté. Je ne peux pas accepter. Quand je peux accepter de désobéir à Allah, c'est quand Dimoun est éloigné avec Din Allah. Éloigné avec Din Allah. Et puis il n'y a personne pour mettre à l'autre qui peut arriver. Là, pour arriver à une instance, Dimoun. Fais moi dire, Dimoun est venu. Tu es un madame, il est venu tous les jours, il passe par ce côté de la porte, il t'appelle, il dit Kala, qui m'a dit, il y a la guerre pour Michel, ou envie de mettre l'amour en tout, Michel. Kala, il dit oui, tout de suite. Il dit Kala, mais pense à Tila, toi là, mettre ça. Kala, il prend et mettez. Mais si il n'y a pas qu'une madame qui a iman, il apprend son Din. Kala, il dit, hachut. C'est aussi là, allez. Pousse-le. Vous voyez, du monde fait shirk. Oui, non. Mais si tout le monde de la société, il y a un bâtiment, il y a un imbécile. Qui peut arriver? Partout, pourtant, tout le monde peut gagner djinn. Tout le monde gagne bouzdrou. Tout le monde peut faire rokia. Toute la société, aujourd'hui, partout, raki peut pousser. Qui fait gagner beaucoup de monde faire rokia aujourd'hui? Qui fait? Parce que l'iman baissé, quand l'iman baissé, toutes ces affaires qui arrivent, c'est Shaitan, Iblis. Oui, non. À cet état, il y a beaucoup d'Iblis, il y a beaucoup de Shaitan, il y a beaucoup de Bouzdrou. Il y a beaucoup de monde lié à toi. Il y a beaucoup de madame à côté, il y a beaucoup de casse, il y a beaucoup de problèmes, la casse cassée, menace cassée. Tandis qu'il y a une sauvée avec Raki. Vous comprenez mon système là, il y a la pourriture là, il y a Alem qui fait. Quand nous éloignons avec Dine, nous éloignons avec connaissance, Shaitan n'a plus beaucoup de pouvoir. Shaitan, il paraît dans sa époque là, il dit à sa man du monde là, je connais Ibrahim, Sabah et Asraf là. Tiens, dis-moi une série terrible, mais tu connais qu'avec l'infini mot. Tu n'as pas pensé si nous tu mettais un petit statut à Asraf, la côte qui a assisé dans le coin là. Après, tout coup, quand tu guides, tu peux m'asiner, tu guides ça, dis-moi là, et tu peux faire bon travail, là, tu as tout fait au bas. Et Ibrahim, c'est Marie bon, l'idée, Satan. Comment on peut expliquer ça? Comme ça, ça a déroulé là, hein? Papa, imaginez, Sahih Bukhari, ça. Ibrahim, c'est bon, l'idée, ça va, il a coûté ça, il a examiné, parce que tu as une idée pareille. Prends un petit Asraf, n'est que dessiné, posé là. Là-bas, prends un petit bail Nasser pour là-bas, bail Nasser SSP, tu travailles beaucoup. Maintenant, prends bail Essan, Alessan, bail Sarkil, mettre là-bas. Maintenant, j'ai pas Zoubet Kormani, mettre là-bas. Maintenant, j'ai prends Imtiaz Abdoul, mettre là-bas. Prends Adil Bobo avec bail Parouez.
ça existe point pas fait ibadet pas mettre ça fait ibadet hein Ibrahim tu as tout fait ibadet pas dit ta fait ibadet ça existe pour moi dire quand tu iman baissé quand tu get sa photo là tu imagine ça man du monde qui peut faire bon travail là là tu café toba voilà là Shaitan qui dit allez Shaitan vient après l'époque quand tout ça man du monde là Ibrahim a 10 enfants quand Ibrahim a 10 enfants tes enfants viennent plus loin encore tes enfants commencent mettre tes enfants ils mettent donner une mettre pouli tes enfants commencent mettre tes enfants peuvent mettre l'ins madame tes madame peuvent mettre l'ins michier au moment d'en finir sa halat là Shaitan réapparaît encore je te connais tes garçons Ibrahim ton papa Ibrahim tu veux faire ibadat pour Asraf lui c'est un bon tu le cause tu vas te dire moi Zaim va te connais grand mère celle là tu dis moi et lui aussi commence faire ibadat pour Asraf tu comprends hala mais ça cinq du monde là son nom il mentionné dans le Coran dans qui sourd là tu te reconnais là Ahmed là tu as envie de faire ma connaître tu connais pas moi après domine moi je suis qui sera voilà t'adharunna alihat voilà t'adharunna waddan voilà suwa'an voilà yaghoutha wa ya'ouqa wa nasra ça c'est l'histoire de ces cinq personnes qu'elle a mentionné dans surah Nuh alayhi salam quand elle a montré qu'il y a cinq dimoun là comment on explique ça là ça a déroulé à ce moment là shirk il apparaît de la terre Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce qu'il est clair? Après combien de bananes? Après 1000 bananes. À ce moment-là, il y a des dînes. Qui dînes? Un dîne islam, un autre dîne qui peut adorer idole. La même qui ayat Coran, c'est dans surah Baqara, verset 213. C'est ça, ayat Coran qui explique ça. Et Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhu, de Sahih Bukhari, quand il fait tafsir sa ayat Coran là, لذلك يسبيك سكي من يسبيك زدلا كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغي بينهم فهدى الله الذين آمنوا ألو ألا بجد سايد قرآن لا لا كومينوتي أمين تين سل كومينوتي تين ديزوبيسانس مالي تين كو كده كومبر بيان هاي il y a une désobéissance, mais il y a encore un seul dîne, une seule communauté. Qui communauté? Communauté musulmane. Ensuite, il y a une divergence. Dans le Coran, il y a une divergence. Qui divergence il y a? Pas pressé pour répondre. Qui divergence il y a dans sa communauté humaine, musulmane, qui tient seule, c'est-à-dire dîne de Adam alayhi salam, qui divergence il y a? L'adoration, il y a deux types de l'adoration. Une adoration juste pour Allah, une adoration pour idole. Et ça, c'est la divergence mentionnée dans le Coran, surah 2, verset 213. Ça clair? Nous ne finissons pas comment il y a un shirk sur la terre. Nous ne comprenons pas comment il y a des obéissances et comment il y a un shirk. Nous, alayhi salam, il fait ce travail. C'est qu'il rentre, il rentre, c'est qu'il n'est pas une rentrée, pas une rentrée. Ibrahim, alayhi salam, finit. Ensuite, le même scénario répété dans l'époque de Ismaïl, alayhi salam. Ismaïl, alayhi salam, qui dit. Sans doute, parce que tout le monde a dit alayhi salam, il y a un seul dîme. Quand Ismaïl alayhi salam était? Qui n'a pas? Comment il y a des gens autour de Kaaba? Ça, on connaît. Comment il y a une population autour de Kaaba? Kaaba, c'est une place qui paye la cultivation, paye la population. Redia? Non. Douala vient après. Ibrahim alayhi salam, il gagne l'autre avec Allah pour prendre Hajar avec petit bébé pour quitter le côté Kaaba. Kaaba qui était? Kaaba appartient à la cultivation, une population. Qui prêve dans le Coran? Rabbi inni askantu min dhurriyati biwadin ghayri dhi zar'in inda baytika al-muharram. Rabbana li yuqimu s-salah faj'al afidatan min an-nasi tahwi ilayhim. Ibrahim salam dit, oh Allah, tu donnes moi l'autre pour moi quitter mes enfants là-bas avec ma madame, il me prend à son madame et petit bébé, il n'a quitté côté Kaaba. Là, il y a une leçon pour ma madame qui guide ça l'autre, qui Allah lui donne là. Sa madame là, quand il prend ce petit bébé, il n'a aucun enfant, il n'a aucun djimoun, il n'a aucun cultivation, il n'a rien autour de Kaaba. Rien. Ni pour manger, ni pour boire. Il n'a de l'eau, il n'a de désir. Madame là, il est dans Ibrahim alayhi salam, il y a une quitte là-bas, puis aller, il quitte avec lui un petit, comment dire, nous dire, un petit goutte de l'eau. Qui quitte avec lui? Hein? Qui a rien quitté? Un petit goût de l'eau. Mais combien de jours il peut vivre avec ça?
Il y a Ibrahim qui doit être pas bon. Madame là qui veut dire sur ce Michel là. Il veut dire Michel là veut dire madame là tu connais jilbab obligé ça. Allah qui donne ça l'autre là. Ya ayyuhan nabi yuqul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alayhinna min jalabi bihinna dhalika anna yu'rafna fala yudhain wa kana Allah ghafur rahima surat 33. Et l'autre Allah ça met jilbab pas sorti l'arabie ça fait attention. Beaucoup de gens pensent qu'ils mettent ça l'aise. Bon, ils n'ont pas besoin de noir, mais ils ont besoin de couleur qui non attirant. Ils ont besoin de peine à décoration, ils ont besoin de pas chafaf, ça vient transparent, ils ont besoin pas d'une silhouette l'écho, et ils ont besoin de cacher nos lens qui décorent en dedans. Mais c'est moi la gravité qui peut arriver. Je dis, man, djilbab qui nous peut mettre là, mais une décoration, ça veut dire nous mettre un djilbab pour cacher une décoration, djilbab là, une décoration, il y a besoin de l'autre djilbab, mettre l'autre djilbab là, pour cacher djilbab qui est une décoration. Qui fait mes djilbab? Fait mettre ça. Il mettait ça, vraiment l'ins, on dit goni, pour lui cacher de mon joli petit l'ins en dedans, qui m'a acheté CLA, parce que ça l'ins CLA, qui est un joli, là, pas qu'un droit, rire, mahram, tout, pas capable, un monsieur, il a envie de tout le monde qui est sur madame. Alors, Allah, lui, il comprend, rire de un monsieur, qui monsieur là, pas satisfait, qui, et un monsieur, est-ce de nos jours, il dit, non, lui, il est content. Un madame, dis-moi, mon monsieur, dis-moi, mon palais, ton médilbao. Marie, ça. Madame là peut dire que Michel là puis on peut si. Ça veut dire Michel là peut dire tu besoin mettre un joli linge, tu besoin mettre ça, tu besoin mettre ça, tu besoin mettre ça quand tu sortis. Michel là envie qu'il casse son madame sorti, les autres Michel qui client. Qui a été ça? Allah qui lui dit ali quand madame là sorti, ayat Coran, ya yuhal ladina, ya yuhal nabi. Allah dans avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Salaud là, Allah donne ça à Michel direct et ni donne ça à madame direct. Il dit ya yuhal nabi, oh le prophète d'Allah. Qul, toi te dis azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina. Donne l'autre à ton madame, ton chifi, ton sœur, pour mettre ce djilbab. Et ça, quand je vous mets ça, je dis que la société pour connaître ça, madame, comprend l'autre. Allah, pour vous faire badiner, pour vous faire gâter, pour vous donner la clé, pour vous costéoler, pas costéoler, pour vous donner un biscuit, pour vous rien, pas costé. Reste loin. Protège madame, protège sa famille, protège ses enfants. Mais Michel de nos jours parle de ça. Michel a dit que je suis satisfait quand mon madame met bikini, il dit tiens, photo met sur Facebook. Moussalman, je dis que Michel a dit madame, je parle de ton djilbab. Je parle de ton pas d'accord avec ce que tu fais. C'est la situation qui nous fait vivre aujourd'hui. Le contraire. Quand Michel a dit qu'il protéger son madame, quand il sorti devant Rer Mahram, ça veut dire nous devons apprendre les affaires qui appellent Mahram. Là, nous apprendre qui a été l'ins qui m'a besoin de mettre devant Mahram et qui a été l'ins qui m'a mis devant Rer Mahram. Mais il y a 500 000 mahram qui m'ont gagné droit à paraître comme moi. Et il y a un petit peu réel mahram qui m'ont pas gagné droit à paraître devant eux. Pareil que moi, ça a un pied qui n'a pas gagné droit là. Après 500 000 pieds, gagné droit à manger dans la jannat. Mais Shaitan, il fait autre qui de 500 000 pieds, allemand, ça pied qui n'a pas bon lèvre. Right. Ibrahim Alessam a quitté son madame. Ça, pour moi, avec un petit de connaissance qu'elle a donne-moi, pour ne pas connaître comment. Nous, musulmans, nous pourrons rendre compte que Allah. L'eau, ça a été Coran. Qui m'a réfléchi beaucoup. Qui est une madame et qu'un petit bébé, Allah donne l'autre, elle prend rien qui est là-bas. Qui premier, moi, tu as envie, un CR, dis-moi, mais qui vous pensez de ça, l'autre, là? Comment vous êtes un l'autre pareil, dis-moi? Un dis-moi, nous avons une idée, un CR, bien frère. Qui est-ce faire? Qui premier affaire nous visait penser quand nous écoutons ça, l'autre, là? Parce qu'il connaît ça, l'autre, là. Dans le monde, du coup, quand il y a des zulum, l'oppression, non, madame, droit de la femme, je crois qu'ils ont fait dire. Moi, je dis, madame musulman, qui est de position quand je tente ça l'autre qui a l'aide d'un hajar, prends ton petit bébé, elle reste là-bas, tout seul, peine à l'oeil. Qui était? Moi, pour montrer une réalité, là. Qui a fait? Qui est? N'importe qui s'en a envie de répondre. Vous n'avez pas? Qui a fait qui faut dans sa l'autre, là? Qui a fait? Non. Parce que nous petits man qui est une soumission, ça a été soumission là. C'est extra soumission, ça porte au madame tes enfants qui te jettent danseuse, à qui te jettent danseuse. L'île ronde là-bas, qui te lit là-bas, te retourne à la case. L'audal là. Qu'est-ce que ça fait? Je connais qui était, mon frère, ma soeur, qui zami Allah pas pour donner l'autre qui n'a dit tout là-dedans. Zami, vu. Et ça même qui te chose, qui ça madame, dit mon Ibrahim, il dit papa, d'accord au commencement. Qui t'a dit Ibrahim, t'es fou? T'es fou? T'as quitté moi avec un petit bébé comme ça, peine à manger, peine à boire, peine à personne. C'est moi quand il dit, il dit sa question. Qu'est-ce que je dis? Allahu amarak. Est-ce que ça l'audace au chicot Allah? Ibrahim dit, naam. Il dit,
إذن لن يضيعنا ربنا زامي الله بابوليس نوبي يجي سي الله كي دون سالو. C'est une petite chose qui nous vient inculquer dans nous, nous les qui, les qui de nous, nos enfants, nos madames, nos la famille, quand nous sommes sûrs qu'il y a un autre sorti côté là, qu'on est qu'ils disent dit bien qu'il y en a là-dedans. Nous ne pouvons pas trouver lui. Ou à ça, un tekra ou chéen, capable de pas content lui. Faut que vous voyez le lacon, il y a un dit bien pour eux. Ou à ça, un tekra ou chéen, tout content qui se fait. C'est moi, il y a dit tout là-dedans. Ou Allah ou Ya'lamou, un tekra ou ta'lamou, Allah qui connaît, t'as tout pas connaît. Ici, c'est ça même ça, madame, Hajar Injiman, Ibrahim alayhi salam. Allah amarak de Sahih Bukhari. Est-ce qu'il y a Allah qui nous donne ça l'au-delà? C'est Allah qui nous donne ça l'au-delà. Je ne suis pas fou, moi, pour prendre une petite toque de peine à l'oeil. Logiquement parlant, Ibrahim n'est pas fou. Alors, ce qu'il fait, il nous a fait ça parce que c'était l'autre Allah. Pareil, comment est-ce qu'il y a l'autre pour faire ça? Ce garçon. Le garçon-là qui dit lui. Il dit Ya Bouné. Ismaïl Oud. Rédia. Ibrahim. Ouais, avant ça, il dit Inni arafil manami, enni azbahu. Mais il dit Ibrahim, il n'y a pas des enfants pour Dieu. Si pas commis, bananise jusqu'à ce manam, il vient adjouze, vieille. Une vieille. Et quand il y a un petit baba, il quitte là-bas cette fois-ci. Il y a Ibrahim et Ishaq, un après l'autre. À ce il peut dire quand il vient jeune, il fait zaba pour lui. Il a dit à sa garçon, Inni arafil manami, enni azbahu. Je me trouve dans un rêve qui m'a fait zaba et un ambiya, ce rêve livré. C'est-à-dire qu'il vient prendre ce garçon pour faire ce sabbat. Puis ces enfants-là, les enfants-là, qui ce problème-là dans lui? Papa, l'un, il y a l'autre, toi, mais toi, les enfants, qui enfants-là disent? If Alma Tukmar, c'est-à-dire d'une Inch'Allah, mais la Sabirin, fais ce qui donne gain l'autre. Qui fait? Parce qu'il a fondation de nos croyances, dit qui? Quand Allah, avec son rassou, l'indienne, qui se et Nazis dit bien là-dedans. Même nous, pas Petrou, dit bien là, nous, Petrou, et la sévérité, nous, Petrou, les difficiles, nous, Petrou, qui pas capable, nous, Petrou, dit mon ami, on connaît 40 bananes, mon petit travail, mon petit location, à ce temps, arrive là pour moi, un petit bout pour moi, à dit mon ami, là, il n'y a pas gagné droit, il dit non, mais mon petit la banque, mon petit loan, après moi, le monde, il dit mon ami, pense comme ça même. Mais Allah, subhanahu wa ta'ala, il est créé plutôt reste locataire, jusqu'à tout le monde, il n'y a aucun problème, bêta, Inch'Allah, quand tous tes enfants viennent, Allah, pour faire des gains 10 la case. Parce qu'Allah, jamais pour les efforts qu'un mu'min fait, Alpé dit, mais c'est inifirme le Lord Allah. Parce qu'une fois qu'il nous garantit l'au-delà sorti contre Allah subhanahu wa ta'ala, jala jala lo, et Nazis dit bien là-dedans, et que nous désobéissons à l'au-delà, et Nazis dit tout là-dedans. Alors, madame l'indiman Ibrahim alayhi salam, Allahu amara, troisième fois, on peut dire autre salam. Ibrahim alayhi salam dit, na'am, il dit, idan la yudayyuna rabbuna, zaminu rab, ou comme a qalat, zaminu rab pas pour les snoopies. Aïe, il commence à grandir là. Ensuite, Ibrahim, tu fais un doigt. فاجعل افئده من الناس تهوي اليهم فاو الله فين جروب ديمون كوستي اوز pour ceux qui pas vivre enfin zamzam l'événement de zamzam délo zamzam tout ça l'est venu ensuite quand gagne délo cette fois-ci un groupe de man arabe une tribu dans pays voyager pour délo ban un oiseau qui les résiste dans place qu'il y a de l'eau et travaille là qui n'avait tribu là dans pays délo. Les trouve dans le désert, au milieu du désert, côté Kaaba, un oiseau qui résiste côté de l'eau là-haut. Maintenant, fini qu'on est de l'eau, les autres disent Hajar, permission, est-ce qu'il nous capable de rester là? Hajar, une des autres permission. À ce moment-là, c'est la population qui vient autour de Kaaba. Right là. Qui dit qui dit وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم واجعلنا مسلمين. Ça veut dire que c'est le Kaaba là. Ça veut dire Ibrahim, Hajar, Ismaïl qui dit Ismaïl alayhi salam. Ensuite, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Même scénario. Ça n'a qu'à dire moi comment Shaitan il travaille là pour faire gagner 360 idoles au Kaaba. Bon, vous donnez une réponse. Même prototype travail qu'il fait avec Adam alayhi salam. Alors, Njimoun, n'est-ce pas Djibouti, dis-moi, je vais plein de coups. Qui est-ce numéro 1, qui est-ce faire? Désobéissance à Allah avant. Djimoun commence à désobéir. Arabe commence à boire l'alcool, commence à rentrer dans Zina. Et madame, il met pavillon sur la case, ben, qui est intéressé, vient contre moi, vini. Ensuite, après ça, ni quand même, elle a gagné 20 michés, vini. C'est pour ça qu'on a des enfants, puis après, il y a un spécialiste, et le spécialiste a pour guetter les pieds, il y a ces enfants-là pour Ibrahim, ça. Ça n'a pas enfants-là, l'autre coup, il vient, il guetter, il y a ça pour Ismaïl. Comme ça, qui t'y était? L'alcool, insane, madame, zina, tout petite chose. Quand Iman, il finit baisser, Amr ibn Luhayl, hadith de Sahih Bukhari.
Amr ibn Luhayl, c'était un arabe qui était un petit honorable dans la société. Il était fait faire business la Syrie. C'est que Moubadi Azot, là, ça a surtout dans Sahih Bukhari. Tout Bukhari, il y a un peu. Il raconte dans le livre Sirah, il y a dans le livre India, Ali India, dans le livre, tu te réveilles, Allah, tu viens de moi, tu causes à moi. Il a dit, où est-ce que tu es, Maurice? Allah vient de causer à moi, fais autre récit de Coran, tout. Vous entendez, non? Il récite avec Allah, Allah corrige ce faute, tout. Vous entendez, non? Vous entendez? Il dit, moi, je ne vais pas attendre, reste pas attendre. Parce que mon père, quand je t'entends, je suis dans le coin là-dedans, je vais suivre. Je vais rire, je. Ouais. Sa situation est continuée, désobéissance avant, iman vite fait. Amr ibn Luhayl dit, tu peux faire business dans la chambre. Quand il y a dans la chambre, un jour, il prend une idole, il dit, maintenant que ça, idole, qu'est-ce que tu penses? Je dis, mon trou, maintenant, peut faire ça. Je dis, ouais, intéressant, maintenant, il prend une idole, il met dans la cave. Finalement, mettre deuxième idole, troisième idole. Finalement, un djimoun qui t'y habitué, yelit as-sawiq veut dire, il t'y habitué d'un ban haji. Tu es un hajj? Qui fait un hajj? Qui fait un hajj? Parce qu'il dit Ibrahim alayhi salam, tu es un hajj. Quand ban haji, tu peux faire hajj, le Rasoul Salam pas connu, là, hein, mon petit Jésus là. Le Rasoul Salam pas connu. Quand tu peux faire hajj, tu es un djimoun, tu peux cuire sawiq. Sawiq, c'est un manzi arabe, et tu peux d'un ban haji manzi. Quand yelit tout sawiqa, l'alem qui allat. Quand les mots, ben, tu peux casser une pause sur le cover. Qu'est-ce que tu peux faire? Ça casse une pause en arabe, on appelle ça akafa yakoufou. Al-akf, c'est un ibadat ça. C'est-à-dire, tu rentres dans la masjid. L'alem qui a le mot de i'tikaf. I'tikaf, ce mot, il est sorti depuis akafa yakoufou, i'tikafen. Ça veut dire, un djimoun qui rentre dans la masjid. Il a 6 heures, il est tout seul, il fait un tadabour, il réfléchit de sa création, il réfléchit de son péché, il réfléchit de manfaveh Allah, il fait un ibadat, il est tout seul, il a 6 heures tranquille, il appelle ça Akafa Yakufu. Et c'est un ibadat dans l'islam. C'est même qui dans Surah Baqarah dit Wattahir bayti li ta'ifina wal akifina wal ruk'i sujoud. Les ta'ifins, c'est même qui fait tawaf. Akifin, c'est même qui vient assis dans la case Allah pour faire un tadabour. Wal ruk'i sujoud, c'est même qui fait ruku avec sijda. Ça veut dire que c'est un ibadet. Alors, qui est arrivé ben, du monde, dans la place qui a fait ça, ibadet, là, dans la case Allah, je suis assis contre le kabar, ça dit un pieux. Qui dit ça? Dit un pieux. Qu'est-ce que tu peux faire? Donne à manger, ben, hadith. J'ai dit un pieux. Quand il m'a ben, assis, il a un petit pose, il fait acte. Allez, allez, je fais ça, ibadet. Allez, allez, il transforme en idole. Tiens, d'autre la case, allez, 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 maintenant, commence à prier la case. Tiens un pied, maintenant commence à prier pied. Tiens un malaïka, maintenant commence à prier malaïka. Tiens un, il commence à gagner 360 idoles. Dans sa façon là, ça va un petit enfant de Ismaïl et Salam, qui t'y ban musulman d'origine, à travers cette faiblesse de iman, ensuite, quand connaissance est enlevée, Abdelhamid Abbas dit, il n'a masakhat ou nasakhat al-ilm, quand la connaissance est évaporée, ben, Shaitan est venu, il fait cette ado idole, dans sa façon là, il y a 360 idoles. Autour de Kaaba. Vous posez une question à nous. Les enfants d'Adam et de Salam, qui dînent c'était? Mais qui est-ce qui a deux ou cinq idoles là? Les hindous? Qui est-ce? C'est pas le musulman. C'est pas le musulman même. Mais Ismaïl et Salam, qui dînent c'était? L'islam. Mais quand Amr ibn Luhayl il a introduit un idole, qui est-ce qui appelle ado ou cinq idoles là? C'était les musulmans ou c'était les man hindou, musulman. Ça veut dire dans l'histoire humaine, quand shirk il apparaît parmi la communauté musulmane, quand connaissance est enlevée, iman est raffaibli, à ce moment-là, shaitan est venu faire du monde ado et l'autre apporte Allah subhanahu wa ta'ala. De sa façon-là, nous avons un shirk, l'olaté Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce qu'il est clair?